y a des cartes bulletins des élèves et il y a des cartes spéciales qui sont des cartes maîtresses. Et le jeu, c'est d'avoir la moins bonne note. 5, 2... Oh, moi aussi j'ai 3. Alors, histoire, gym, calcul et dictée. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes. J'ai que des meilleurs. Ah ouais, t'as pas de chance. La personne qui a la plus bonne note, eh ben, il faut lui donner ses cartes. Ma carte préférée, je pense que c'est Toto. Parce qu'elle a beaucoup de mauvaises notes. C'est presque le meilleur. Sauf en gym. Ma carte préférée, c'est la maîtresse. Moi, c'est Toto, troisième trimestre. Parce que en fait, elle est nulle en tout. Et donc, c'est un outil de survie. Deux, au premier trimestre, il était... Cinq. Non, trois. Bah, c'est entre nous. C'est entre nous deux, moi, je me mets ça. J'ai beaucoup aimé. Bah, j'ai pas aimé quand je perdais. C'est très amusant. Ça nous apprend que les pires notes peuvent nous aider un petit peu. Et si les enfants ont des bulletins mauvais, plus c'est bon signe pour que tu perdes. Pour que tu gagnes.